s'imagine bien la bague au doigt. Ils l'ont bastonné sur le moelleux. Il lui a fracassé le crâne. Alors, il t'a enfin jeté à la rue? Oh, ça te plairait, n'est-ce pas? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place? Les chevaux doivent être étriés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez! Nom de Dieu! Nom de Dieu, nom de Dieu! Tu as des ennuis, mon ami? Une missive, pour messire de la serre, une missive cruciale! Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui, c'est très... Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Monsieur de la serre, arrêtez-vous! On ne passe pas. Tu vas devoir faites faire place, le faites place! Tu vas ralentir, bon sang! Bien ma chance, elles se ressemblent toutes. Mais qui est ce cocher, Pélops? Monsieur de la Serre! Mes excuses, je me suis trompé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur. Les voilà. Mmh.
Tu es sourd en plus d'être stupide, tu vois ? Je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force. La dette de l'État, déjà immense à mon avènement du trône, mais honorable, en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible leur inégale répartition. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits et par une réunion d'avissage et modéré. C'est dans cette confiance, messieurs, que je vous ai rassemblé et je vois avec sensibilité qu'elle a déjà été justifiée par les dispositions que les deux premiers ordres ont montrées à renoncer à leurs privilèges pécuniaires. L'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres réunis de sentiments concourir avec moi au bien général de l'État ne sera point trompée. J'ai ordonné dans les dépenses. Je vois. Et qui viendra prendre sa place ? Un autre roi ? Un conseil de sages ? C'est là toute la question, n'est-ce pas ? Une trêve, alors ? Diable, mais que se passe-t-il ? Mon brave, je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas ? Attrape-le, Hugo ! Il faut croire que non. Attrape-le, Hugo ! Calme-toi, grande bourrique. Rends-moi cette... On va voir ce que tu veux. Ce n'est pas ton jour. N'est-ce pas, Victor ? Ouvrez tout de suite ! À votre santé, messieurs. Toi, là ! Halt ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'enfuis ! Il est en train de s'enfuir ! Écarte-toi, allez ! Tu n'iras nulle part !
envoyé à Bicêtre. Hors de question de retourner là-bas. Je les retrouverai à la maison.